Matthieu 11, 12 dit: depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te libère de ce démon qui t'a possédé. Amen. Tous ces démons qui t'ont possédé te quitteront maintenant. Amen. Ikem, s'il te plaît. Ce fouet a été apporté de Jérusalem. Hey! J'avais voyagé jusqu'à Jérusalem pour obtenir ce fouet. Savez-vous pourquoi il est utilisé? Il est utilisé pour fouetter les gens possédés par les démons. Hey! Pierre et Paul, vous allez lui donner 21 fouets. Ce démon qui t'a possédé te quittera aujourd'hui. Ce mauvais esprit qui t'a possédé te quittera aujourd'hui. Amen. Au nom de Jésus. Pendant qu'on la fouette pour chasser le démon qui l'a possédé, je veux que vous commenciez tous à prier. Parce que si vous ne priez pas, les démons qui sortiront de son corps entreront en vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant le feu. Oui, le feu. Viens, allons chercher. Il devrait normalement y avoir deux chèvres et deux bouquets d'igname. Parce que tu ne m'avais pas payé ce que tu me devais la semaine passée. Oui, c'est vrai. Mais je n'ai pas d'argent. J'ai même vendu mon terrain. Au moins pour avoir de l'argent afin d'acheter celle-ci. Et garder un peu d'argent pour prendre soin de ma famille. C'est ça. Aie pitié de moi. Jusqu'à ce que tu payes ce que tu me dois, ton enfant ne verra pas la lumière.
Dis bien. Hey, mon Dieu, regarde, non. Regarde là. Papa, non, c'est pas vrai. Dis bien, c'est pas vrai. Hein, dis-moi. Non, c'est pas vrai. Papa, arrête de blaguer. Non, c'est pas bien. Hein. Allez, regarde combien de doigts j'ai. Regarde. Dis bien. Reviens. Papa, qu'est-ce qui se passe? Papa, quelque chose. Tu ne peux pas me faire ça. Non. Ma sœur. Non, grande sœur, reviens. Ça va aller, t'en fais pas. Ça va aller, t'en fais pas. Non, papa, fais quelque chose. Agomba. Les ignames ne sont pas au complet. Et où est la chèvre? Et je dis bien. S'il te plaît. C'est ce qu'on peut donner pour le moment. Je te promets, la semaine prochaine, je vais te donner une chèvre. S'il te plaît. Grand maître. Tais-toi. Tu perdras ta vue jusqu'à ce que ma dette soit complète. Papa, mes yeux. Papa, je ne vois rien. Papa, tu ne veux pas voir, papa. Attends, papa, je dis bien. Yeux, arrête plaît, de blaguer, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît, je ne vois rien. Regarde, je ne sais plus voir quelque chose. Papa, s'il te plaît, faites quelque chose. Papa, je ne vois rien. Où est maman? Dites-moi. Maman, où es-tu? Papa, s'il te plaît, faites quelque chose, je vous en prie. Papa, s'il te plaît. Je ne vois rien. Attends, t'es sérieux, tu ne vois rien. S'il vous plaît, faites quelque chose. Regarde bien. Monsieur, je ne vois plus, je ne vois rien. Monsieur, papa, maman, où est maman? Monsieur. Ça commence vraiment à prendre une autre ampleur. Ce Dibia va transformer notre village en quelque chose d'autre.
Le pire est que si tu t'opposes à ses vœux, c'est soit tu deviens aveugle ou tu meurs. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Si d'autres personnes n'étaient pas en vie, qu'est-ce qui allait nous arriver? Bien. Mon père a dit qu'un nouveau pasteur va venir. Hein? Oui. Il a dit que le pasteur viendra après-demain. Il a déjà causé avec les anciens pour aller le faire venir. Comme ça, il pourra stopper ses Dibia avec ses actes maléfiques. Es-tu sérieuse? Ben oui, je suis sérieuse. D'ailleurs, il m'a parlé des genres de miracles que ce pasteur opère. Je suis impatiente. Le Dibia a exagéré avec nos familles. Je suggère que ce pasteur arrive à temps. Pareil que moi. Dibia n'est pas encore passé dans ma famille. J'ai pris juste pour que ce pasteur vienne, comme ça Dibia ne viendra pas avec ses embrouilles dans ma famille. Bien. Le temps est écoulé. Rentrons à la maison. Oui, t'as raison. D'accord, allons-y. Le fille, moi je pars. Je vous verrai plus tard. Pastor Elijah is another savior, holy, holy.
just Elijah is another savior, holy, holy. Here comes the Holy One. Pastor Elijah, the holy savior. Holy, holy, holy. Pastor Elijah is another savior, holy, holy. Holy, 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 Pastor Elijah is another savior, holy, holy. Holy, 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 Pastor Elijah is another savior, holy, holy. Holy, 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 Pastor Elijah is another savior, holy, holy. Holy, holy, Pastor Elijah is another savior, holy, holy. Holy, 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 Pastor Elijah is another savior, holy, holy. Holy, 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 Pastor Elijah is another savior, holy, holy. Here comes the Holy One, Pastor Elijah, the holy savior. Holy, 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 Pastor Elijah is another savior, holy, holy. Je veux vous remercier d'avoir guéri ma fille et d'avoir restauré sa vue. D'accord. Bien. Je veux dire que Dieu vous a envoyé. Là, on a plus besoin de vous. Dans ma famille, dans ce village. Vous savez, ce Dibia a été une terreur. Il a terrorisé tout le monde dans ce village. Il a été une terreur. Il a été une épine dans notre chair. Mais qu'allons-nous faire? Nous vivons avec ça. Mais Dieu merci, maintenant vous êtes venu. Dieu vous a envoyé afin de nous délivrer de ces griffes. Merci beaucoup, monsieur, pour m'avoir accueilli. Je vous en prie. Le moment où j'ai mis mes pieds sur ce sol, il est devenu paisible et ainsi sera-t-il pour toujours. Amen. 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 Alors, mon fils va vous emmener à la maison qui a été construite par les villageois pour le dernier pasteur qui est venu ici. Ce pasteur, oh, que son âme vous en paix. Amen. Il est un bon homme. Vraiment un bon homme. Ouais, il est un homme bon. Et c'est pourquoi je suis là pour entendre l'espoir. Les cerveaux le verront et les doigts de lui marcheront au nom puissant de Jésus. Amen. Pas de problème. Comme vous le voyez, voici ma fille, Elisa Nam. Hein? Elle vous fera la cuisine. Comme vous travaillez avec les Blancs, nous ne savons pas vraiment ce que vous mangez. Notre nourriture est souvent composée d'arbre, l'enfant d'Ubo et vin de palme. Elle cuisinera tout ce que vous voulez manger. Elle est même allée à l'école. Elle sait mieux cuisiner. Et Paul Oumoua, va prendre votre sac. Va prendre votre Bible. Même Ngwari Ngwa. Pas de problème. Partout où vous voulez aller, laissez-lui aller avec vous. Même Maria Mwa. Si vous voulez, Maria aussi. Ça ne me dérangerait pas. Non, Mba. Non. Maria restera avec moi. D'accord. Merci beaucoup pour tes choses. Pas de problème. Paul, prends son sac et vas-y avec lui. Il faut l'accompagner. Naï, salut. Salut ma fille, comment vas-tu? Je vais bien, merci. S'il te plaît, je cherche le saint homme. Le saint? Nos salutations. Salut, le salut. Saint. Salut. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Le saint homme, je suis venu avec ma fille. Nous sommes venus pour vous donner ces cadeaux, pour vous dire un grand merci.
pour avoir restauré la vue de ma fille. Merci beaucoup, le saint. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Je ne fais que l'œuvre pour laquelle le Père m'a envoyé ici. Que son nom soit loué à jamais. Amen. Paul, viens porter ce cadeau dans l'arrière-cour. Oui, d'accord, tout de suite. Non, merci. De rien, ma fille. À Genève, je vais prier pour vous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bénis ces gens au nom de Jésus. Amen. Père, que la guérison dans sa vie soit permanente au nom de Jésus. Amen. Père, la détresse n'apparaîtra pas de voix. Amen. Je couvre vous deux avec le sang précieux de Jésus. Amen. Vous êtes bénis. Hey, quel bon vent vous amène ici? Ah, les grands dibias de notre village. Bienvenue. Pour tout vous dire, nous nous attendions à vous voir. Nous sommes prêts, tout est déjà préparé. Bienvenue, encore. Où est mon du quotidien? Bien, et Meka, allez, debout. Allez, ramène tout ça, fais vite. Dépêche-toi. Ne vous en faites pas, tout est déjà prêt. Tout était déjà préparé. Bienvenue encore. Emeka! Mais Soma! Qu'est-ce qu'elle va comme ça? Elle a quel problème? Mais qu'est-ce qu'elle a? Ifoma! Oh Seigneur! Ifoma! 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 Je compte sur vous deux pour inviter des gens. Je veux que l'endroit soit rempli de nous. Je vous fais confiance et je sais que vous pouvez le faire, ok? Amenez beaucoup de gens à l'église, ok? Amenez-les à l'église, qu'ils expérimentent aussi. Ifoma, qu'est-ce qu'il y a? Qui est derrière toi? Oh, s'il vous plaît, le saint, viens nous aider, viens m'aider. Il est revenu, il est chez nous. Ce voleur des filles est venu, il est chez nous à la maison. Il est venu prendre des histoires auprès de mon père, mon pauvre papa. S'il te plaît, il veut prendre tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons de plus cher. Je t'en prie, viens nous aider. Viens chez nous à la maison. Ma fille, le temps fixé n'est pas venu. Mais le Seigneur dit, je délivrerai mon peuple au temps fixé. Amen. Et le temps n'est pas encore venu. Ok? Donc va à la maison et assure-toi que tu viennes à l'église avec ton père demain. Ok? Va à la maison. Désolé. Essaies-tu de dire que tu vas les laisser prendre tous nos biens pendant que tu es là? Attends, concernant le Saint-Esprit. Hé, Ifoma, ne questionne pas le saint. Fais ce qu'il t'a dit entre eux. Écoute, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le saint, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Désolé, monsieur. Agenoue-toi. Désolé. Elle n'est qu'un enfant. Ne vous énervez pas. S'il vous plaît. Ayez pitié, le saint. Oh, je suis désolée. Merci. Je suis désolée. Ça va. Ça va. Nous péchons tous contre le Dieu du ciel et nous demandons pardon chaque jour. Et il nous pardonne toujours. Donc, qui suis-je pour ne pas pardonner? Lève-toi, ma fille. Vas-y et ne pêche plus. Vas-y.
Que Dieu vous bénisse. Lève-toi. Lève-toi. Tout va bien pour toi. Vas-y. Merci. Tu peux partir. Comme je le disais, je compte sur vous. Invitez les gens à l'église demain, d'accord? Gloire à Dieu! Alléluia! Au nom de Jésus! Amen! Ne courez pas, peuple de Dieu. La lumière et les ténèbres n'ont rien de commun. Qui es-tu pour venir sur cette terre? N'as-tu pas peur de Aguatumbe? Je tue des hommes, mange leur chair et suce leur sang. Aujourd'hui, tous ces peuples sont sortis ici pour servir le Dieu vivant. Ils verront à quel point tes pouvoirs sont inutiles. Ils verront comment tu es impuissant. Au nom de Jésus, reçois Amen. Le feu. Oui. Le feu. Oui, Seigneur. Le feu tout autour de toi. Mon Dieu, attendez un peu. Qui aurait cru qu'il allait fuir? Dieu merci, tu es sauvé, oh. Les filles, réfléchissons un peu. Je veux dire, c'est Dibia. Il est très puissant, il rend les gens aveugles. Alors comment expliquer que le pasteur l'a battu si facilement sans qu'il les puisse répliquer? Et c'est ça à quoi tu t'attendais? Ce n'est pas possible, non? Ce n'est pas possible. Ok. Autrefois, tu avais dit que tu étais parti chez lui et il t'avait dit que l'heure n'était pas encore arrivée. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui, il a défié ces messieurs et tu continues toujours à douter? Je ne doute pas de lui. Mais je ne sais pas pourquoi je le sens comme si c'est un faux pasteur. Ferme ta bouche. Hein? Pourquoi tu aimes toujours te raconter des choses? Un tel puissant homme de Dieu qui fait retrouver la vue aux aveugles et qui a défié ces grands féticheurs du village. Tu continues toujours à douter de lui? Ifoma. T'as jamais combien de fois? S'il te plaît, épargne-moi des péchés, oh. Je refuse de parler en mal du saint. S'il te plaît. Ce que je ressens. J'ai l'impression qu'il n'est pas vrai. Que c'est un faux pasteur. Tu continues toujours. Ami, d'accord. Allons-en. Abaka, écoute, attends. Tu vois ce qui se passe en ce moment dans notre village. Ça veut dire que Dieu s'est rappelé de nous. Dieu s'est finalement rappelé de nous. Tu sais, ce pasteur Elijah, il nous a libérés. Notre village est libre. Notre village est libre. Hé, hey, c'est libre. Hé, hey. Ouakwe, mon ami. Ouakwe, mon ami. Pasteur Elijah est vraiment un envoyé de Dieu. Exactement. Dieu lui a vraiment envoyé pour notre village. Et je suis heureux pour ça. Très heureux. Très heureux. Mais, tu sais, il y a un adage qui dit que... Un brunam dit que me y fait. Itoye et me poso.
mais nous ne faisons rien pour lui, pour qu'il sente et voir que nous apprécions. Mais nous sommes censés lui préparer quelques colis et aller lui donner. Hein? Donnons-lui quelque chose. Ou nous, les anciens, devrions aller lui dire que nous sommes heureux. Est-ce que nous allons juste regarder comme ça? Hein? Tu es le Ono de notre terre. Le plus âgé. En tant que Ono, qu'importe tu dis, c'est ce qu'on fera. Alors, je veux savoir ce que tu as à l'esprit. Si je te dis que je n'ai rien à l'esprit, alors là, je ne te dis pas la vérité. Mais laisse-moi bien cogiter sur ça. Ok? Kalla Horiola. Ok? Pour que lors de notre prochaine rencontre, hein, tout soit bien clair pour tout le monde. Tout le monde verra ce que nous avons à l'esprit. Pour cet homme que Dieu nous a envoyé. Cette fille. Viens, Maria! Maria! Viens. Oui, papa. Papa, tu m'as appelé. Ouais. Va dans ma chambre. Regarde sous la table. Tu trouveras le vin de palme. Apporte ça. Okay, va vite. Papa. Apporte-le. D'accord, papa. Cela me rappelle. Mon ami. Depuis que je suis venu ici, je regarde autour. Je n'ai pas vu mon jeune ami. Ton fils, Paul. Oh, Paul. Paul et Jinachu Churuchukwaja. Je l'ai offert à Dieu. Il suit pasteur Elijah. Hein? Il veut devenir pasteur. Il veut devenir pasteur. Hein? Donc, il le suit. Oh, il suit sa carrière. Maria, mais qu'est-ce que tu fais à l'intérieur? Hein? Depuis là? Vraiment, hein? Ikema, je suis très contente pour toi. Pasteur Élisée t'a aidé à recouvrir la vue. C'est vraiment un homme de Dieu. Oui, oh. On était partis avec les ignames pour le remercier. Et il avait prié pour nous. Avez-vous vu comment est-ce qu'il avait défié ses natifs docteurs pendant les cultes? Ma sœur, je l'ai vu. Il était tellement rempli du Saint-Esprit. Même les tout-puissants fétichères. Acheter son bâton de pouvoir et il a fui comme un petit enfant. Hey. Mais il est très beau. Hey. Ikema, ne commence pas. C'est un homme de Dieu. Et alors? Ne va-t-il pas se marier et avoir des enfants? Il va certainement se marier et avoir des enfants. Mais il est très saint, rempli de l'Esprit de Dieu. Mais je ne comprends pas tes intentions en disant qu'il est beau, il est mignon. Qu'est-ce que tu insinues? Vous savez quoi? Le temps vous en dira plus. Vous savez quoi? Partons. Vous me laissez toute seule? J'ai juste dit ce que j'ai vu en haut. C'est bien. Qu'est-ce que je fais de mal vraiment, hein? Bonjour le saint. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen. Salut le saint. Salut Elisabeth. Je vois que tu es occupée. Oui, j'essaie de mettre la propriété dans la parcelle. Le saint, je suis venu pour t'accompagner. C'est bien. Alors, allons-y. Elisabeth. Le saint. Rappelle-moi. Le soir, il y a quelque chose que je veux te dire. Ok. D'accord. Au revoir, sister. Bye bye. Gloire à notre saint.
Gloire à notre grand sauveur. Gloire au pasteur Élisée. Gloire à notre saint. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et après que j'ai discuté de ceci avec vous deux, j'avais décidé ceci. Je veux aller voir le pasteur Élisée pour qu'il vienne détruire le sanctuaire de mon grand-père qui se trouve derrière la maison. Alors, je me suis dit que je devais vous le dire pour que vous ne l'appreniez pas par surprise. Papa, si tu veux avoir mon avis, je dirais que tu n'as pas besoin d'aller détruire le sanctuaire de ton grand-père. Je veux dire, ces sanctuaires ne nous dérangent en rien. Avant la mort de ton grand-père, il t'avait demandé de ne jamais détruire ces sanctuaires. Papa, si tu n'as rien à faire avec ça, alors laisse à la place de les détruire. Bien, tu vois, Ifoma, ma chère fille, écoute, tu viens de dire la vérité. Tu as très bien parlé. Les ténèbres et la lumière n'ont rien en commun. Je suis maintenant un chrétien né de nouveau. Alors il n'y a pas moyen que je puisse continuer de garder le sanctuaire de mon père là derrière. Je ne peux vivre avec ça, avec ce sanctuaire derrière ma parcelle. C'est doublement impossible. Ifoma, mais qu'est-ce que tu racontes juste? Ce que papa dit est vrai, non? Oh, quelqu'un me soutient. Je veux dire, nous sommes chrétiens. Si seulement il était question de notre ancien pasteur qui était mort, que tu avais l'intention d'appeler, j'allais être très contente. Mais tu vois, c'est pasteur Élisée. Je ne les crois pas. Il a l'air faux. Tais-toi maintenant. Vas-tu te taire à la fin? Depuis quand tu parles d'un homme de Dieu de cette manière-là? Qu'est-ce qui se passe chez toi? Que sais-tu sur les hommes de Dieu? Et d'ailleurs, l'homme de Dieu dont on parle est celui même qui a chassé ce féticheur qui ne cessait de nous déranger ici. Il a guéri plusieurs maladies et a ouvert les yeux des aveugles. Dans cette communauté, Dieu l'a utilisé pour faire plusieurs miracles. Et te voilà en train de parler de lui de cette façon. Sérieusement, je n'aime pas ça. Ifoma. Ah ah. Ifoma. Oh. Ah ah. Contrôle ta langue. Ne dis pas du mal de quelqu'un que Dieu a choisi. Oh. La Bible même le dit, ne touchez pas à mes oints et ne faites aucun mal à mes prophètes. N'essaie même pas de le toucher avec ta langue. C'est ce que je disais. Ok, d'accord, c'est bon, vous avez gagné. Je laisse tomber. C'est exactement ce que je disais là. Je reviens. C'est d'accord. Ne blâme pas ta sœur. Elle manque juste un peu d'expérience. Oui, je comprends pas. Eh bien, dès demain, j'irai voir l'homme des dieux. Et je crois bien qu'on va détruire ce sanctuaire. Ça ne prendra même pas longtemps. Le saint. Mon grand-père était le docteur de la région. Il est mort il y a 3 ans de cela. Et le soi-disant pasteur qui était ici, je l'avais invité pour qu'il invoque la délivrance et libérer ma famille. Mais il est malheureusement tombé malade et mort durant le processus. Mais maintenant que tu es ici, je veux que tu viennes et que tu délivres ma famille et la libères enfin. La Bible dit dans Exode, chapitre 20, Dieu a dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point pour toi d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles pour les servir, car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Aïe! Merci Jésus pour cette écriture. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci. Homme des dieux, je suis venu ici pour enfin traverser ce fléau. C'est pourquoi je suis ici. Tu sais, je voulais présenter cette magique et miraculeuse
huile d'onction dimanche. Mais tel que je vois les choses, tu en as besoin pour la purification familiale et le bien spirituel. Ok? Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre cette magique huile d'onction. Asperge-le sur le sang. Mets-le en feu. Et rien ne va plus vous arriver, toi et tes enfants. Si tu ne fais pas ça, tes enfants vont mourir. Hey, que Dieu me parle. Hey, le saint, je ferai exactement ce que tu viens de dire. Combien est-ce que l'huile va coûter exactement? C'est juste 5000 naira. Hey! Hey, le saint, 5000 naira, c'est un peu trop exagéré. Essayez de diminuer un peu. Je vous prie. Ok. Pour que tu vois que je veux aider ta famille. Pour que tu vois que je veux chasser ce démoniaque esprit familier qui vous perturbe, toi et ta famille. Je te la donnerai. Prends-la. Mais en venant dimanche prochain, apporte tout ce que tu as. Ok? Merci beaucoup, le saint. Merci, homme des dieux. Le saint, il y a quelque chose. Ma fille, je ne la comprends pas. Elle agit bizarrement. Et de ce fait, elle ne vous apprécie pas du tout. Elle était même contre que je vienne vous voir ici. Elle se comporte vraiment très bizarrement, je ne la comprends pas. Est-ce que je la connais? Oui, bien sûr. Celle qui était venue t'appeler de la maison pour te dire que... à ta première venue ici, dans ce village, c'est celle qui était venue t'appeler. La fille à qui vous aviez dit... celle à qui vous aviez dit que le temps pour faire votre saint travail n'était pas encore venu. Ifoma. Ok, Chaka. Ouais, Saint-Esprit. Parle-moi, Saint-Esprit. Parle, ton serviteur à l'écoute. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci. Ah, Mazi Okeke. Ta fille... Ta fille est possédée par un très puissant démon. Donc tu dois l'amener ici. Mais comment cela? Tu dois l'amener ici pour la délivrance. Amène-la ici pour que je la délivre. Tu sais quoi? Ne te gêne pas de venir. Parce que puisque nous traitons avec un esprit familier, l'esprit mauvais, le démon, peut sortir d'elle et entrer en toi. Hey, donc je veux que tu restes à la maison et prie. Je la délivrerai ici avec la congrégation. Le saint, je ferai exactement ce que tu as dit. D'accord. Merci. Alors je peux partir avec lui. Vas-y avec lui. Mais avance, agenouille-toi d'abord. Ok. Père, libère-les. Libère-les. Libère-les au nom de Jésus. Amen. Libère-les. Amen. Tu peux partir maintenant. Ah, merci. Donc je peux partir avec lui. Ouais, tu peux l'emporter. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen. La personne suivante. Toi, assieds-toi là-bas. Assieds-toi. Ah! Pourquoi te lèves-tu? Veux-tu forcer le Saint-Esprit à parler quand il n'est pas encore prêt à parler? Jeune homme, en quoi puis-je t'aider? Matthieu 11, 12 dit: depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te libère. Amen. Ces démons qui t'ont possédé. Amen. Tous ces démons qui t'ont possédé te quitteront maintenant. Amen. Ikem, s'il te plaît. Ce fouet a été apporté de Jérusalem. Hey! Jérusalem. J'avais voyagé jusqu'à Jérusalem pour obtenir ce fouet. Hey, vraiment? Savez-vous ce pourquoi il est utilisé? Non. Il est utilisé pour fouetter les gens possédés par les démons. Hey! Pierre et Paul, vous allez lui donner 21 fouets. Ce démon qui t'a possédé te quittera aujourd'hui. Ce mauvais esprit qui t'a possédé te quittera aujourd'hui. Amen. Pendant qu'on la fouette pour chasser le démon qui l'a possédé, je veux que vous commenciez tous à prier. Parce que si vous ne priez pas,
les démons qui sortiront de son corps entreront en vous. Maintenant le feu, oui le feu. Le feu de sang, que tout le monde prend sa vie, le feu, le feu, le feu, au nom de Jésus, le feu, sors, priez, le feu. Ma défunte grand-mère m'a raconté comment tu étais gentil et très aimant. J'ai vraiment besoin de toi maintenant. J'ai besoin de toi en ce moment. Je veux que tu deviennes mon ami. J'ai besoin que tu viennes me réconforter dans cette situation. J'ai besoin de toi. Pastor Elijah is another savior. Holy, holy. Holy, holy, holy. Pastor Elijah is another savior. Salut le saint. Elisabeth. J'ai fini. C'est bien. Ah, c'est vrai, tu as fini, hein? Oui. Ah. J'ai fini de tout arranger. Voilà le saint. Ça, c'est bien. Nous devrions partir maintenant. Oui. Ok. Elisabeth, toi, tu vas rester, ok? Parce que toi et moi, nous avons la prière à minuit. Le saint. Et moi, alors? J'avais voulu participer, moi aussi, à la prière de minuit. Tu sais que je t'ai dit que je voulais aussi devenir un pasteur comme toi. Je le sais. Mais tu sais quoi? J'obéis aux instructions du Saint-Esprit. Donc, quand ton moment arrive, le Saint-Esprit me le fera savoir. Donc, va à la maison, ok? Que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen. Amen. Au revoir. Sereine, prends bien soin de ça. Tu n'as rien oublié à l'intérieur, j'espère. Non, t'en fais pas. Ok. Elisabeth, va à l'intérieur et attends-moi, j'arrive. Ok. Thank you.
fais-tu ici? Mon père m'a chassé de la maison parce que je refuse d'aller à l'église. T'inquiète, viens avec moi. Non, non, je n'aime pas ce pasteur. Je ne l'aime pas du tout. La dernière fois, il m'avait fouetté. Je ne sais pas ce que mon père lui avait raconté. La parole de Dieu nous dit qu'enfant, obéissez à vos parents. Réfléchis un peu. Même si le pasteur t'a frappé, nous ne partons pas à l'église pour le pasteur. Nous partons à l'église pour le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Tu as raison. Et si ton père découvre que tu ne t'es pas allé à l'église, il va encore te frapper. Viens, on part. Viens. Gloire à Dieu! Alléluia! Gloire à Jésus-Christ! Alléluia! Aujourd'hui, nous allons tous expérimenter les actes étranges de Dieu. Vous allez tous voir le miracle que Dieu va opérer ici et maintenant. Alléluia! Cet homme ici est tenu captif pendant longtemps par le féticheur. Mais aujourd'hui, Dieu va restaurer. Amen. Ce que le féticheur a enlevé de toi. Amen. Paul. Oui, le saint. Donne-moi l'huile d'onction. Je restaure ta voix et ton habileté d'entendre. Amen. Avec cette huile d'onction au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci, je peux parler. Et je peux entendre. Je peux parler. Ça va. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Voyez cette huile d'onction? C'est un don de Dieu à l'humanité. Amen. Elle peut briser les malédictions générationnelles. Elle peut guérir et faire de l'impossible. Maintenant, tout qui est dans la congrégation et qui veut acheter cette huile d'onction puissante, viens avec ton argent pour l'acheter. Attendez. Ne vous en faites pas, je vous les apporte. Hey. Holy, Pastor Elijah is another Savior. Holy. Here comes the Holy One. Pastor Elijah, the only Savior. Holy, Pastor Elijah is another Savior. Holy. Holy, Pastor Elijah is another Savior. Holy. Holy, Pastor Elijah is another Savior. Holy. Holy, Pastor Elijah is another Savior. Holy.
Holy, 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 Pastor Elijah is another Savior. Holy, holy. Je vais prendre cette direction. Oh, oh, tu es d'où? Je suis de Ouagadougou. Quoi? Donc tu as fait tous ces trajets de Ouagadougou jusqu'à ce que tu Oui. Oh, ok. Alors, quand est-ce que nous nous verrons à nouveau? Avant le dimanche de la semaine prochaine, je serai là pour te voir. Ok. Ravie de t'avoir rencontré. La joie est partagée. Bye. De même. Bye. Prends soin de toi. Bye. J'ai acheté des bouteilles d'huile d'onction. Je souhaite qu'à la prochaine rencontre de prière, que les saints hommes de Dieu apportent encore d'autres bouteilles, comme ça je pourrais acheter pour ma mère. Moi, c'est parce que je n'ai pas d'argent. Si j'avais de l'argent, j'allais acheter, mais je n'en ai pas même la prochaine fois. Avez-vous remarqué comment est-ce qu'il est? Qui? Le saint, bien sûr. Et comment? Ça veut dire que pendant que l'homme de Dieu prêchait, vous ne faisiez qu'il admirait? Oui, mal fait, je me marie à un pasteur. J'avais même parlé à Paul. Il m'avait dit qu'il n'était pas encore marié. Tu ne sais donc pas qui c'est Elisabeth qui passe plus de temps avec lui? Même s'il fallait choisir, c'est Elisabeth qu'il va choisir et pas toi. Donc, oublie. Hé, hey, lorsque je finirai avec mes enquêtes, vous saurez pourquoi je m'appelle Ekema. 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 Fais attention, oh. C'est le nom de Dieu. Où est ta sœur? Après le séminaire, je l'ai cherchée, mais sans la retrouver. Attends, tu l'as vraiment vue au séminaire? Oui, papa, elle était là au séminaire. Sérieux? Alors où peut-elle être dans ce cas? Bonjour, papa. Ifoma, d'où est-ce que tu viens au juste? Papa, je viens de l'église. Papa, si seulement tu avais vu comment Pasteur Élisée avait guéri cet homme qui était sourd et muet. Seigneur, cet homme avait vraiment l'onction du Saint-Esprit aujourd'hui. Pasteur Élisée est vraiment un homme de Dieu. Mika, j'espère que tu m'as au moins laissé à manger. Tu n'as pas bien sûr, quelle question. Ok. Pour être mangé, j'ai vraiment envie de manger. D'accord, ok, merci. Pasteur Élisée est vraiment puissant. J'ai entendu ta sœur. Dieu merci qu'elle ait vu de ses yeux. Elle est maintenant convaincue que le pasteur Élisée est un homme des dieux, un véritable homme des dieux. Eh bien, cela prouve que l'huile ainsi que la délivrance sont vraiment des dieux. Franchement, je suis vraiment surpris qu'elle ait appelé un vrai homme des dieux. Oh, mais c'est comme ça que ça marche. Nous n'avions pas ceci de dire que le pasteur Élisée est un vrai pasteur. Dieu merci qu'elle ait compris cela. Et maintenant, elle est une chrétienne née de nouveau. En tout cas, Dieu est bon. Ifoma, oh. Amène cette nourriture, oh. Moi, j'ai très faim, là. Holy, 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 Pastor Elijah is another Savior. Holy, holy. Here comes the Holy One. Pastor Elijah, the Holy Savior. Holy, 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 Pastor Elijah is another Savior. Holy, holy. Holy, 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 Pastor
Pastor Elijah is another Savior. Holy, holy. Holy, holy. Pastor Elijah is another Savior. Holy, holy, holy. Pastor Elijah is another Savior. Serait? Serait? Hein? J'ai fini. Voilà. Moi aussi j'ai fini. Je pense qu'on doit commencer à partir maintenant. Oui, pasteur, tout est fait. Nous voulons partir maintenant. Paul, tu peux partir. Elisabeth doit rester pour finir cette prière. Le saint, encore? Veux-tu questionner le saint de Dieu? Non, 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 le saint. Non, non, non. Non, non, non. Non. Je suis vraiment désolé. Désolé. C'est juste que... Assez! Je dis que tu peux partir. Ta sœur doit rester pour finir cette prière. Vas-y. Sois, vas-y, vas-y. Ta sœur reviendra après les prières. Dis à papa qu'on va se voir demain. D'accord. Mon très cher saint, je t'attends à l'intérieur. J'arrive. Holy, 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 Pastor Elijah is another Savior. Holy, 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 Pastor Elijah is another Savior. Holy, papa? Oui? Papa, bonjour. Là. Bienvenue. Où est la grand-sœur Elisabeth? Papa? Le pasteur a dit qu'il devrait rester pour la nuit. Encore, il y aurait une autre prière la nuit. Encore? Mais c'est la deuxième fois qu'ils prient ensemble, non? Et alors quoi? Qu'est-ce qui est mauvais de prier ensemble avec l'homme de Dieu? Un homme puissant de Dieu de cette calibre. Qu'est-ce qui est mauvais de prier ensemble avec lui? Hein? Papa, je le dis parce qu'elle devait venir préparer pour toi. Exactement, c'est à ça que je pensais, qu'elle vienne préparer pour nous. Pour toi surtout. Je sais. Mais la prière d'abord. Hein? Et ma nourriture après. La voix de Dieu n'est pas la voix des humains. Ça devrait être une opportunité pour nous. D'avoir un homme puissant de Dieu comme ça. Un autre vivant parmi nous. Et vous vous rappelez? Vous m'avez parlé des miracles qu'il a réalisés. Ce n'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Tu étais là. Vous voyez, c'est bien de prier avec lui. Hein? Je sais que tu as faim. Hein? Viens là. Va à l'intérieur. Essaie de voir si tu peux préparer quelque chose. Hein? Afin que ta sœur mange. D'accord? Hein? Prépare ça. Comme tu peux. Mais tu es censé apprendre comment faire la cuisine. Tu vois maintenant que Elisa n'est pas à la maison maintenant. Papa, ce n'est pas ça. Tu ne veux pas apprendre à cuisiner. Banson bagatare, banson bagatare, banson bagatare. Hey, comment tu vas? Mon nom est Grace. Je suis d'Ourago. S'il te plaît, puis-je te demander une faveur? Qu'est-ce que c'est? J'ai beaucoup entendu parler de Pasteur Élisée et de tous les miracles qu'il opère. Est-ce que tout cela est vrai? Ma chère. Tout ce que tu as entendu de lui est vrai. Alors, tu ne sais même pas ce que j'ai entendu, mais tu réponds que c'est vrai. Je ne te comprends pas. Ça veut dire que tout ce que les gens disent à son sujet n'est pas faux. C'est un vrai homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit.
seule la vérité te sauvera. C'est ce que dit la Bible. Je crois que je dois m'en aller. Tu sais ce qui est bien. Alors fais-le. Qui est elle-même? Hein? Pourquoi je me suis même arrêtée pour parler avec elle? Hein? Pourquoi? Hein? Prochainement, je ne vais plus m'arrêter et changer avec quiconque s'oppose à lui. Basson baratam, erano, basson baratam. Bonjour, Saint. Que la paix du Seigneur soit avec toi. En quoi puis-je t'aider? Ah, Saint, je ne sais pas comment le dire. Allons, n'aie pas peur. Vas-y et parle-moi. Ah, Monsieur le Saint, depuis que vous avez mis vos pieds dans ce village, je vous admire énormément. Silence! Comment oses-tu? Comment est-ce que toi, enfant moderne, oses dire une telle chose moderne à un homme de Dieu comme moi? Agenouille-toi! Agenouille-toi! Je suis désolée. Je suis désolée. Va à l'intérieur, va à l'intérieur. Je voudrais te donner des saints fouets. Va à l'intérieur. Chioma? Oui, papa. Où est ta sœur Ikema? Papa, je ne sais pas où. Papa, elle est sortie depuis le matin. Depuis le matin? Oui, papa. Ah! Bah, la voilà qu'elle arrive. Bonjour, papa. Ikema? Oui, papa. D'où viens-tu? Moi, je suis partie pour Pasteur Elijah. Pasteur Elijah? Oui. Le saint? Oui. J'espère que tu n'as rien fait de mal. Pas du tout, papa. Il a prié pour moi et il m'a dit de retourner demain matin pour continuer avec nos 3 jours de jeûne et prière. Ok, sœurette. Cela veut dire que tu ne mangeras pas demain matin parce que tu seras là-bas, n'est-ce pas? Ne fais pas attention à ton frère. Assure-toi que demain matin à la première heure, tu es là-bas. Hmm? Qui sait? Il va prier pour toi et beaucoup de portes t'ouvriront. Amen. Papa, moi j'entre dans la maison. Vas-y, vas-y. Tiama, tu sais quoi? Quoi? Toi, après, va prendre un bidon et va me chercher de l'eau. Chioma, je ne te fais plus voir ces derniers temps, hein? Pourquoi? Tu ne viens plus me chercher. Toutes les deux, restez très loin de moi. Comment une pasteur Élisée m'avait humilié dans ce village en me fouettant? Où étiez-vous pour me réconforter? Ou encore chercher à savoir comment je me sentais? Oui, vous êtes des très mauvais amis.
Ah, Ifoma, ce n'est pas ce que tu penses. On était venus te voir, mais on ne savait pas où est-ce que tu étais parti, hein? Vraiment? Écoute, Samaka, Uju, je ne veux pas avoir affaire avec vous deux. Donc, laissez-moi tranquille. Nous ne sommes plus des amis. Donc, continuez votre amitié et laissez-moi tranquille. Merci. Ifoma. Gloire à notre saint! Gloire au Fils du Sauveur! Gloire au Pasteur Élisée! Gloire au Fils du Sauveur! Gloire au Pasteur Élisée! Gloire à notre saint! Gloire au Pasteur Élisée! La paix du Seigneur soit avec toi. La paix du Seigneur soit avec toi. Gloire à notre saint. Gloire au pasteur. Gloire à notre saint. Gloire au Fils du Sauveur. Gloire au pasteur Élisée. Bonjour, saint homme de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que cherchez avec nous. Jeune fille, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Joe. Oh, Joe. Hey! Les esprits de tes ancêtres se sont levés contre toi. Ouais, parle-moi, Saint-Esprit, ton serviteur est à l'écoute. Parle-moi. Ce que je vois en esprit, ça va être difficile pour toi de te marier. Que Dieu me parle. S'il vous plaît, saint homme de Dieu, aidez-moi. Tu dois venir dans ma maison, pour la purification spirituelle. Pour le bien spirituel, ok, je vais combattre ces esprits qui te combattent. Dis à tes parents que je t'ai demandé de venir me visiter, ok, t'inquiète, je vais t'aider, je t'aiderai, ok. Hey, merci, t'en merci. Fais pas, je t'aiderai. Allez-y. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Et aussi avec toi. Rassure-toi que tu viennes me voir, ok? Merci. T'inquiète pas, je t'aiderai. Gloire à notre saint. Dieu merci pour toi, oh. Gloire au Fils du Sauveur. Quelle est une bénédiction pour ce village? Oui, oh. On y va. Gloire au pasteur Élisée. Je t'ai déjà dit à mon père. Ah oui, tu dois te marier, ma sœur. Gloire à notre saint. Gloire au Fils du Sauveur. Bonjour, ma chère. Bonjour, ma chère. En quoi puis-je t'aider? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Je crois que c'est ce que le nouveau pasteur enseigne à tous nos jeunes du village. Oui. Y a-t-il un problème? Non.
Je voulais juste savoir si j'avais raison. Qui es-tu? Je m'appelle Grace. Je viens de Urago. Je vais nous voir le saint. Est-ce que je peux me conduire chez lui? Non, parce que je pars voir mes amis. T'inquiète, je vais chercher comment y arriver. Mais n'oublie pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Nous, les anciens, nous sommes venus pour vous remercier pour les bonnes choses que vous faites dans notre village. Merci beaucoup. Le saint, nous sommes très reconnaissants. Ouais. Nous apprécions vraiment ta venue ici. Vous êtes vraiment un envoyé. Dieu vous a vraiment envoyé dans notre village pour nous sauver. Merci beaucoup. Que la paix du Seigneur soit avec vous, mes anciens. Amen. Et dans cette enveloppe, il y a une petite somme que nous les anciens, nous avons contribué pour apprécier votre bon travail dans notre village. C'est pour vous dire que nous sommes heureux de ce que vous faites dans notre village. Tenez, prends ça. Merci. Merci Saint-Esprit, parle à ton serviteur. Ouais, Père, parle-moi. Lorsque vous parliez, le Saint-Esprit essayait de me communiquer quelque chose. J'ai un message pour vous tous. Je dois rencontrer toutes les jeunes filles. Parce que ce que j'ai vu en esprit, l'esprit de Démiri, un esprit très mauvais et mortel a possédé toutes les jeunes filles. Je dois les voir afin que je puisse les séparer et les délivrer. Sinon, elles mourront toutes. Le saint. T'en fais pas, on fera exactement ce que tu viens de dire. Nous consulterons le conseil des femmes pour une réunion, afin de réunir toutes les filles. Hey, que Dieu épargne nos filles. Ouais, amène-les toutes. Vite, vite, faites, très vite, je dois les voir. Maintenant, baissez vos têtes, je vais prier pour vous. Père éternel, tu as vu le don qu'ils ont apporté devant toi. Père, qu'ils en apportent plus. Je sais qu'il y a plus, là d'où ils ont pris ceci, plus d'argent, plus de vaches, amen, plus de chèvres, amen, plus de poissons, amen, plus de yams, amen, amen, choses plus, parce que tu es amen. Un Dieu et tu mérites plus. Merci Jésus. Les filles et dames de Umuegu, les anciens en accord avec le seul Linux, font appel à toutes les filles de Umuegu pour se rassembler au coin du marché demain pour une rencontre avec le seul Linux. Celle qui a entendu passe le message à l'autre. Les filles et dames de Umuegu, vous avez une rencontre avec le seul et l'unique.
les filles et dames de Umuegu, les anciens en accord avec le seul Linux, font appel à toutes les filles de Umuegu pour se rassembler au coin du marché demain pour une rencontre avec le seul Linux. Celle qui a entendu passe le message à l'autre. Les filles et dames de Umuegu, les anciens en accord avec le seul Linux, font appel à toutes les filles de Umuegu pour se rassembler au coin du marché demain pour une rencontre avec le seul. Celle qui a entendu passe le message à l'autre. N'oublie pas le jeûne et prière que je t'ai demandé de faire. Hein? C'est très important. Tu dois le faire. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Salut, saint homme de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Tu peux t'en aller maintenant. Qui est-elle? Cette fille, elle était possédée par un très fort démon. Et c'est ce que je viens de chasser d'elle. C'est pourquoi elle est comme ça. Ok. Saint homme de Dieu, vous avez envoyé me chercher. Oui, bien sûr. Nous allons encore avoir une séance de prière demain, comme le Saint-Esprit l'a demandé. Encore? Holy, 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 Pastor Elijah is another Savior. Holy, holy. Holy, 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 Pastor Elijah is another Savior. Holy, 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 Pastor Elijah is another Savior. Holy, holy. Holy, 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 Pastor Elijah is another Savior. Holy, 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 Pastor Elijah is another Savior. Holy, 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 Pastor Elijah is another Savior. Holy, 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 Pastor Elijah is another Savior. Holy, holy, here comes the Holy One, Pastor Elijah, the Holy Savior. Holy, 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 Pastor Elijah is another Savior. Holy, 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 Pastor Elijah is another Savior. Holy, 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 Grâce? Grâce! Mais pourquoi es-tu venue aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est pas dimanche. Je suis venue te voir. D'accord, parfait. Tu m'as manqué. Je partais au carrefour du village. Pasteur Élisée a demandé à ce que toutes les filles du village puissent se rendre là-bas. Il a une prière spéciale pour nous. Je ne voulais pas y aller comme d'habitude. Mon père m'a forcé de partir. Allez, viens, suis-moi. Hein? Hey! Tu sais très bien que je ne pourrais pas venir avec toi. Si mon père l'apprend, il va me tuer et me conduire chez ses pasteurs qui n'hésitera pas de me fouetter et m'humilier comme il l'avait fait la dernière fois. S'il te plaît, partons. Ifoma, ton père ne va pas te tuer. Crois-moi, cette fois-ci, il ne te fera rien. Ok? Tu comprends? Suis-moi. Tu ne dois pas aller là-bas. Fais-moi confiance. Viens avec moi.
From sin and sorrow, the blood of Jesus set me free. The blood of Jesus set me free. From sin and sorrow, the blood of Jesus set me free. Silence! Hey. Les démons chantent avec moi. Les esprits mauvais, parle à travers vous. Ils s'expriment à travers vous. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je vois. Hey, toi esprit démoniaque, je te vois. La lumière et les ténèbres n'ont rien de commun. Vous toutes, vous êtes possédées. L'esprit d'épidémie vous a toutes possédées. Hey! Je ne peux pas faire ce travail maintenant. Je dois fixer une date spéciale. Pour chasser cet esprit. Donc, nous allons avoir des prières spéciales. Ce que vous allez faire, c'est de venir à la maison avec vos 5000 naira pour être délivré. Ouais, venez avec 5000 naira. Dis-le à vos parents. S'ils n'en ont pas, allez emprunter de qui que ce soit. Si vous ne l'avez pas, sortez. Allez faire n'importe quelle activité pour l'avoir parce que c'est nécessaire. Qu'est-ce que j'ai dit? Venez avec 5000 naira. Voulez-vous mourir? Non! Voulez-vous mourir? Non! Viendrez-vous avec les 5000 naira? Oui! Maintenant, commençons à prier. Oh Seigneur, donne-moi 5000 naira. Aide-moi à porter 5000 naira. Vous m'avez le bon. Donne-moi 5000 naira. Éternel, Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, vous me donnez 5000 naira. Vous m'avez le bon. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Éternel, étends ta main. Élargis mes proches. Déporte mes parents. Je fais 5000 naira pour donner à ton serviteur. 5000 naira chacune de vous. 5000 naira chacune de vous. Venez avec 5000 naira pour votre délivrance. Avec vos 5000 naira. Qu'est-ce que j'ai dit? 5000. Répète-le après moi. 5000 naira. Venez avec quoi? 5000 naira. Bonjour, la fille de Ngonkwa. Bonjour. Qui es-tu? Comment tu connais le nom de mon père? C'est lui qui souffre dans le silence, mourra dans le silence. Parle avant que cela ne devienne tard. Je ne te comprends pas. Ton cœur est brisé. Tu as peur de ce que les gens diront de toi une fois que tu l'exposes. Tu veux que je dévoile quoi? Je ne te comprends pas. Ton cœur est chargé. Parcours ton cœur et dis la vérité. Seule la vérité te rendra libre. Où vais-je trouver ces 5000 naira? Papa, si tu ne me donnes pas cet argent pour la délivrance, dans les 5 jours qui viennent, l'esprit impur va me tuer. Oh. Ma fille, je vais essayer autant que possible de les trouver. Même si cela signifie pour moi d'emprunter, je vais le faire. La plupart des jeunes filles de notre village sont possédées par ces mauvais esprits. Mais comment tous les anciens pasteurs n'ont pas vu ça? Papa, même la fille de Maziodo est possédée de cet esprit. Hey! Ma chère, je vais trouver cet argent
afin que toi aussi tu ailles recevoir la délivrance. Ok, hein? Papa. Ah. Sœurette, que se passe-t-il? Sérieux, Sœurette. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu es comme ça depuis que tu es revenu de chez Pasteur Élisée hier. Tu n'as parlé à personne jusque-là. Est-ce que tu vas bien? Je n'ai aucun souci. Ça va. Écoute, sister. Écoute, Elisabeth, tu sais bien que tu es ma sœur et tu peux tout me dire, quel que soit ce que c'est. Dis-moi juste ce que c'est. J'ai dit qu'il n'y a rien de mal, Paul. Te dérange pas. Ok, bien. Tu vas aller chez le pasteur aujourd'hui? Non. Ha, ha. Mais qui va... Tu peux me laisser tranquille, s'il te plaît? Ah, ah. Mais il doit manger. Grand-sœur, viens manger. Je n'ai pas faim. Pourquoi? Mais on mange déjà à cette heure, non? Si tu ne pars pas d'ici, si je te tousse, si je te tousse, hein? Hey! Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Je ne sais pas. Je suis aussi confus que toi. Mais pourquoi telle réaction? Yeah. Oh. Je crois que je dois aller chez le pasteur maintenant. Ok. Si papa revient, dis-lui que je suis là-bas. Allons un peu opérer la délivrance. Ok. Hey. De toute façon, j'adore ça. Bon, on se voit plus tard. Pastor Elijah is another savior. Holy, holy. Holy, holy, holy. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ne serait pas Ekema, la fille du grand Akumba? Hey, je dois rêver. Oui, c'est elle. Hein? Hein? C'est elle! Oui, c'est elle! Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Tu vois. Hein? Ekema! Ekema! Elle est morte! Hey! Hein? Oh, Dieu! Hein? Ekema! 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 Hey! Ekema est morte! Hein? C'est vrai! Hey, elle est morte! Hey, c'est vrai! Non! De venir à la place publique où j'ai personnellement délivré toutes les filles du village qui étaient possédées par l'esprit du démiré. Mais le Saint-Homme, que vais-je faire maintenant? Rien qu'on puisse faire. Elle est morte. Incroyable. Mais j'ai eu une autre fille à qui vous aviez demandé de venir pour la délivrance. Elle était parmi celles qui étaient venues pour la réunion. Donne-lui 5000 naira pour venir à la délivrance. Je la personnellement délivrerai. Sinon, elle va mourir.
Que Dieu nous en garde. Ma fille ne mourra pas. Ta fille ne va pas mourir si tu fais ce qui est nécessaire. Donne-lui l'argent qu'elle vienne pour la délivrance. Ok? J'ai compris. Va enterrer ta fille. Que son âme repose en paix. J'intercéderai en sa faveur. Merci, l'homme de Dieu. Mon ami. Mais je suis en route vers chez toi. De même que moi. On n'a pas le temps de parler. J'ai besoin de 5000 nerfs. S'il te plaît, empointe-moi 5000 nerfs. Immédiatement, après les récoltes, je vais te rembourser. Je confirme aujourd'hui que le mal ne vient jamais seul, mon ami. C'est exactement ce pourquoi je venais te voir. J'ai besoin que quelqu'un prenne ma portion de terre. Comme garantie, me donner 5000 nerfs. Je ne veux pas que ma fille meure. Je suis perdu. Que dois-je faire? Dites-moi, chez qui dois-je aller? Chez qui? 5000 nègres. Ok. Je pense que je dois aller à Oumouzé maintenant. Ah, aussi loin que c'est là-bas. Hein? Que vais-je faire? Vais-je laisser ma fille mourir? Vais-je laisser ma fille mourir? J'irai à Oumouzé. J'ai une sœur là-bas qui va... Elle me fera quelque chose. Tu viens de me donner une idée. Je vais aller à Ouago pour parler à ma belle-sœur, espérant que j'aurai l'argent là-bas. Même toi? Non, mais regardez-moi ça. Même toi, est-ce que tu en as? Pour dire même toi, tous les deux n'en avons pas. On n'a pas du temps pour ça. Je dois vite y aller. Je crois que je vais y aller. On se verra après. Hey. Pourquoi cela nous arrive-t-il à nous, oh? Ayez pitié de nous, oh. Hey. 5000 nègres. Non. Je veux dire, j'ai pas envie de mourir. J'aurais dû partir là où il avait invité le fille. Ok, alors s'il avait raison. Si alors j'ai l'esprit démoniaque en moi. N'aie pas peur. Rien de mal ne t'arrivera. Je suis avec toi. Pourquoi parles-tu avec beaucoup de confiance? Ifoma, est-ce que tu connais la signification de ton nom? Oui. Ifoma m'avait dit... des bonnes choses. Seulement les bonnes choses s'approcheront de toi. Ok, mon père. Mon père est prêt à payer cet argent pour moi, bien que je lui ai dit que je n'étais pas impliquée. La peur est le grand ennemi de l'humanité. T'inquiète, tout ira mieux. Rien de mal ne t'arrivera. Viens, va à la rivière. Je vais t'apprendre à pêcher. Oui. Peter, comment vas-tu? Je vais bien. Où est-ce que tu vas comme ça même? J'allais chez le pasteur. Pourquoi? Veux-tu une délivrance? Non, je veux le joindre. Ce que tu fais là, en lui sonnant la cloche chaque fois qu'il performe des miracles, je veux te joindre aussi. Tu veux nous servir aussi. Le truc c'est que... il y a un minuscule petit problème avec. C'est juste que le pasteur n'aime pas l'encombrement. Il n'aime pas que les gens soient de trop dans sa maison. Il ne voudra pas te prendre juste comme ça. Non, je voulais juste essayer. Attends, calme-toi. Écoute, tu sais quoi? Je vais lui parler pour toi. Tu le feras? Dès que je rentre, je vais essayer de lui convaincre en lui disant que mon meilleur ami Peter veut me rejoindre pour devenir ton assistant. Et espérant, qui sait, il pourra accepter. Tu sais que tu vas lui parler? Je ferai, non? Tu es mon ami, non? Ok. Donc, je vais m'en aller maintenant. Donc, demain, tu me donneras la réponse. Oui, vas-y, va voir ta famille et je vais aller lui parler. Tu entends? Merci. Salut ta soeur de ma part. Pas de problème.
Tu veux me rejoindre dans mon travail d'assistant? Non. Tu n'auras pas deux assistants ici. Je suis le seul assistant du pasteur. L'original même, je dirais. Mec, regarde, la fille t'appelle. Ah, laisse-moi. C'est quoi ton problème? Vas-y, arrête de jouer timide. C'est quoi ton problème? Sois un homme. Va la voir, va la voir. C'est quoi cette attitude? Ikena, comment tu vas? Oui, je vais bien. Tu m'appelles, je crois que tout va bien. Oui, tout va bien. Je suis juste venu prendre quelque chose. Et qu'est-ce que c'est? S'il te plaît. Peux-tu m'aider avec 5000 naira? Je vais l'utiliser pour la délivrance. 5000 naira? Oui. Donc depuis longtemps là que je t'ai demandé que tu sois mienne, je t'ai supplié, je voulais qu'on puisse coopérer. Maintenant, te voilà en train de me demander de l'argent. Allez, je suis vraiment désolée. Écoute, c'est bon, je t'accepte. Vraiment? Oui, j'accepte. Tu m'as accepté? Oui, c'est ça. Ok, d'accord, je te donnerai l'argent. Donc. Vraiment, tu le feras? Oh, merci. Mais à une seule condition. Ok, laquelle? On doit le faire. Faire quoi? Tu n'es plus une petite fille, attends, non? Attends, qu'est-ce que je dois faire? On doit le faire. Ikena, non, tu sais très bien que je ne paie pas. Et dans ce cas, oublie attends, aussi, oublie Ikena. L'argent, oublie tout. Je pense qu'à partir de demain, si tu n'as pas cet argent-là, l'esprit du diable t'envahira. Ne me dérange pas, je suis là-bas avec mes amis. Laisse-moi, tu as refusé, allez, laisse-moi okay. Tranquille. C'est bon, fais-en. Vas-tu accepter? D'accord, allons-y. T'es sûr? Ok. Attends, j'arrive. Les gars, c'est toi le meilleur, mon pote. J'arrive, les gars. Outier. Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, elle est morte. Mais qu'est-ce qui se passe encore? S'il vous plaît, moi j'ai pas les passes, les ingénieurs. Je ne peux pas mourir. Moi de même, allons-en. Attendez-moi. Oh mon Dieu. Doucement.
Ça va aller. Tu es libre. Tu es libre maintenant. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. C'est bon, tu es libre. Ha ha.
Merci Jésus pour ce que tu fais à travers Pasteur Élisée. Merci Jésus pour ce que tu fais à travers Pasteur Élisée. Amen. 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 Tu es libre. Rentre chez toi. Rentre chez toi. Oui, tu es libre. Mon Dieu.
Le feu! 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 Est! Sud! Nord! Pastor Elijah is another savior. Holy, holy. Holy, holy. Pastor Elijah is another Elisabeth. Comment tu vas? Tu encore? Qu'est-ce que tu me veux? J'ai appris la mort de Ojo. Ojo est morte? Oui, elle est morte ce matin. Hein? Elle est morte de quoi? C'est la même chose qui va te tuer si tu ne dévoiles pas le zèvre du diable. Parler à propos de quoi? Ton cœur porte un fardeau lourd qui étouffe la vérité. Si tu exposes les ténèbres, beaucoup d'âmes seront sauvées. Mais si tu refuses, sache que la mort vient à ton rendez-vous. Mais qui est cette fille? Ça, c'est la deuxième fois que je la vois. Elle ne parle qu'en parabole. Holy, 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 Pastor Elijah is another savior. Holy, holy. Bonjour, grand homme de Dieu. Paul, comment tu vas? Je vais bien, pasteur. Je vais bien, merci. Ça fait longtemps que j'ai vu ta sœur. Comment va-t-elle? Elle va bien, grand saint. Elle va bien. C'est juste que depuis quelques jours, elle n'a pas mangé, ni parlé à qui que ce soit. Tout ce qu'elle n'arrête pas de faire, c'est s'asseoir, penser, aller se promener un peu. Je n'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas avec elle. Je ne sais pas. Dis à ta sœur que j'aimerais la voir ce soir. D'accord, le saint. Je lui ferai parvenir ton message. D'accord. Et je voulais te remercier. Merci beaucoup pour ce que tu as fait pour nous dans ce village. Pour avoir sauvé toutes nos filles de ces mauvais esprits. C'est vraiment un travail merveilleux. Merci pour ton cœur. Moi, je ne fais que l'œuvre du Seigneur. Que son nom soit loué maintenant et à jamais. Amen. Dieu béni. Merci beaucoup. Allons-y maintenant. Gloire au grand saint. Gloire au serviteur de Dieu. Gloire au pasteur Élisée. Gloire au grand saint. Gloire au serviteur de Dieu. Gloire au pasteur Élisée. Ma chérie. Va vérifier. Peut-être ta sœur est... Papa? Oui, Paul. Pardon, un problème. Salut, mon fils. Où est sœur Elisabeth? Peut-être elle cuisine. Le saint m'avait dit de lui dire qu'elle devait aller le voir ce soir. Hein? Oui, papa. Ce soir?
Mais tu l'as informé. Je ne l'ai pas encore vu. Va l'appeler. Attends, papa. Appelle Elisa. Je l'appelle. J'ai entendu tout ce qui s'est passé. Pas. J'ai vraiment besoin de devenir un pasteur. Hein? D'autres miracles. Hein? Papa, elle est là. Elisa. Papa. Tu sais, ton frère a dit que l'homme de Dieu t'a envoyé un message de venir ce soir. Ce soir. Dis-lui que je ne viendrai pas. Hein? Tu n'y vas pas. Papa, dites-lui que je ne viendrai pas. Mais... C'est le nom de Dieu, non? Tu l'as entendu. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne sais pas. Il a dit qu'il voulait la voir ce soir. Hey. Mais que se passe-t-il avec elle? Hey. Pastor Elijah is another savior, holy, holy. Pasteur Élisée. Ifoma, tu oses m'appeler par mon nom? Oui, bien sûr. N'est-ce pas qu'Élisée est ton nom? Bien. Elle m'a demandé de te dire de lire Naoum chapitre 1, verset 9. Qui te l'a dit? Passe une belle journée. Ifoma, Ifoma, reviens ici. Ifoma, Ifoma, je te dis de revenir ici. Elle m'a appelé par mon nom. Grâce, grâce, je suis revenue de là où tu m'avais envoyé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je lui ai raconté tout ce que tu m'avais dit. Très bien, on y va. Grâce, attends. Qu'est dit Naoum 1, verset 9? Tu ne sais pas ce que ça dit? Dès que tu seras à la maison, tu pourras le lire. Viens avec moi. Viens avec moi.
Elisabeth. Ah. Elisabeth. Si elle ne répond pas, allons-y, partons. Non, je dois parler. Je dois l'exposer. Elisa, d'où viens-tu? Où? Hein? Papa, je vais tout dire. Je ne veux plus rien cacher. Vas-y. Je vais tout vous expliquer. Je vais vous donner les raisons de mon indifférence envers le pasteur. Mais qu'est-ce qu'il y a? Arrête. Qu'est-ce qui se passe? Elisa. Arrête. Ne fais pas ça. Arrête ça. Elisa. Elisa. Arrête. Hey, venez me sauver. Hey, sauvez-moi. Non. Papa, à l'aide, s'il te plaît. Non, Elise, ne me fais pas ça. Papa, regarde-la. Non, le sein. Le sein. Conteur, s'il te plaît. Grand sein. Qu'y a-t-il? Grand sein, tu dois nous aider. Qu'y a-t-il? Quel est le problème? Ma grande sœur, elle est morte. Elisabeth est morte, tu dois nous aider. Elisabeth est morte, tu dois nous aider. J'ai vu ça arriver, c'est pourquoi je lui ai demandé de venir me voir. Mais le diable lui a bouché les oreilles. Que son amour repose en paix. Maintenant, vas-y, va enterrer ta sœur. Je vais à Omoudi. À mon retour, je viendrai te voir et ton père. Donc vas-y, d'accord. Non, vas-y. D'accord, vas-y. Grand sœur. Grand sœur. Je suis désolé. Ça, qu'est-ce qu'il y a? C'est le sang. Il va où? Reviens ici. S'il vous plaît,
confesserai, s'il vous plaît, je confesserai. Confesse. Je ne suis pas le vrai pasteur Élie. Hey, on aurait tout vu dans ce monde. J'ai tout plein de diamants que le tibia et son garçon. Quand j'ai appris que le pasteur Élie venait dans le village pour établir son ministère, nous l'avons kidnappé. Hey, mon Dieu. Dis-moi, c'était comment? On l'a kidnappé, ça c'est très bien, ok? Tu peux y aller maintenant, ok? Viens chez moi plus tard. Allez, vas-y, dépêche-toi. Qu'allons nous faire? Tu sais, ce village est timide. Le dernier pasteur qu'ils ont eu et auquel ils ont cru est mort le mois dernier. Hein? Alors, c'est ce pourquoi le nouveau pasteur se dirigeait là-bas. Pour établir un nouveau ministère. Mais, avant cela, nous allons savourer en profitant de... Waouh! Maintenant, quel est le plan? J'ai un sort. Je vais l'utiliser pour les distraire. Et je vais semer la terreur parmi eux. Ils seront terrifiés et auront besoin d'aide. Je rendrai la plupart aveugles, sourds, et autres, pour que quand tu iras là-bas, qu'il y ait un nouveau pasteur qui va pouvoir les guérir. Tu vois ça? Ils te feront confiance et croiront en toi, pasteur Élisée. Ça sonne bien. Maintenant, on commence immédiatement. Oui. Je veux maintenant retourner là-bas, afin que nous passions directement à l'action, ok? D'accord. Ok? D'accord. Pasteur Élisée. Tous les miracles, tous les signes, les prodiges que je ferai, je sais, les puissances ne sont pas rien. Hey, tout était planifié. Hey. Tu prendras cette huile avec toi. Nous allons nous faire beaucoup d'argent. J'enverrai mon fils dans ton église un dimanche. Tu vas utiliser l'huile pour le guérir de sa surdité et de son manque de parler. Pour que la communauté croie en toi. D'accord. Pasteur Élisée. Bien, j'aurais même donné 10 cartons. Mais garde celui-ci après avoir tout vendu. Reviens me voir et je t'en donnerai plus. D'accord. C'est formidable. Tu sais quoi? À ta prochaine venue, je vais te remettre un mouchoir blanc. Tu vas l'utiliser sur leur front. Ok? Pour les guérir, comme si c'était des miracles. Où est mon argent?
Boss, voici l'argent que j'ai gagné de la vente des choses qu'ils m'ont donné. Mm. Et le culte du premier dimanche seulement. Mm. Hey, boss, cette affaire lucrative. Oui, nous allons faire beaucoup d'argent quand tu vas passer. Je le sais. Oui. Mais attends, oh. Quelle est vraiment la composition de cette huile? Hey, pasteur, il disait, dois-tu absolument tout savoir? Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ok. L'huile d'arachide. Hein? Je te dis. Huile d'arachide ordinaire. Non, ce n'est pas seulement ordinaire. Ça, c'est de l'huile d'arachide spirituelle. Eh? Exact. C'est une bonne affaire. Ou... De l'huile d'arachide spirituelle. L'huile d'onction, c'est un moyen que j'ai conçu pour estorquer les villageois. Ça n'a aucun effet, ce n'est qu'une simple huile d'arachide. Hey! Quelle sorcellerie! Quelle méchanceté! Oh non, c'est pas vrai! Tu Non! Et pour les filles avec qui j'organisais des séances de prière de nuit, tout ce que je faisais était de coucher avec elles. Vraiment! J'ai enceinté Oujou et Kema. Et je leur ai donné une substance toxique pour les tuer. Dis-moi, mon amour. De quoi s'agit-il? Ça. Mm-hmm. Je suis enceinte de vous. Tu es enceinte pour moi? Oui. Hey. Wow, ça c'est bien. Mais comme je te l'avais dit, hein, toi et moi irons en ville. Hein? Donc oui. T'inquiète pas. Mais attends-moi ici. Attends-moi un peu. J'arrive. Finalement, je l'avais dit à mes amis. Ikema, une fille de la ville. Mon Dieu. Je serais très fière de moi. Oh mon Dieu! Prends ceci. Hein? Le Saint-Esprit demande à ce que tu boives ceci, afin que toi et le bébé soyez dans une parfaite condition. Mmh. Hein? T'inquiète. Hein? La semaine prochaine, toi et moi irons en ville. Mais ne dis ceci à personne. Pas du tout. Ne dis ceci à personne. Mm-mm. Bien. Mm-hmm. Ok. Bois ça. Finis ça. Maintenant, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Tu vas prospérer. Amen. Tu vas prospérer. Amen. Le Seigneur fera de grandes choses à travers toi. Amen. Tu vas prospérer. Amen. Ouais. Parle-moi, Saint-Esprit, parle. Ouais. Le Saint-Esprit demande que je te dise que tu iras en ville avec moi. En es-tu contente? Oui. Ouais. Dis amen. Dis merci, amen, Jésus. Amen, merci, dis Jésus. Alléluia. Dis alléluia. Amen. Amen. Le Saint, j'ai perdu ma virginité. J'ai découvert que je suis enceinte. Hein? Je suis enceinte. T'inquiète pas, ok? T'inquiète pas. Le Seigneur fait de bonnes choses dans ta vie. Le Seigneur t'utilisera pour faire des merveilles, ok? Tu sais quoi? Je vais t'épouser. Hmm? Ouais. Saint-Esprit, parle-moi, Saint-Esprit. Ouais, parle-moi, Seigneur. Parle-moi au Seigneur, ouais. L'Esprit demande que je te dise que tu ne le dises à personne. Je ne dirai à personne. Non, je ne veux rien dire. C'est ce que dit l'Esprit. Ok, t'inquiète, oui. Je t'épouserai. Tu vas m'épouser. Oui, je t'épouserai. Attends-moi si j'arrive. Ok. Je veux que tu boives ceci, ok? Ça ferait que le bébé et toi soyez en bonne forme. Hein? Bois ça. Bois, finis ça. Ouais, bois ça. Finis ça.
Maintenant, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi, ok? Tu es béni, ok? Amen. Tu as de la faveur. Le Amen. Seigneur fera une bonne chose dans ta vie. Amen. À travers cette grossesse, tu prospéreras. Tu prospéreras. Laissez-moi. Je vais te tuer. Je te jure. Tu ne sortiras pas ici. Tu vas prier le prix de tes péchés. C'est un démon. Non, mon Dieu, ce n'est pas vrai. Quand j'ai mis enceinte, Elisabeth, elle avait arrêté de venir me voir et je n'ai pas pu lui donner la substance. Alors, maintenant que tu es enceinte pour moi, ne t'inquiète pas, je vais t'épouser. Mais ne le dis à personne. Non, je ne dirai à personne. L'instruction du Saint-Esprit est que cet enfant que tu portes sera le messie de ce village, juste comme Jésus l'est dans la Bible. Hey. Mais si tu parles à quelqu'un de cette grossesse, l'enfant et toi mourir. Donc ne le dis à personne. D'accord, homme de Dieu. Je vous assure que je garderai le secret. J'irai en ville pour trouver une huile d'olive spéciale. Et quand tu la prends, ça fera que toi et le bébé soyez en bonne forme avant l'accouchement. Ok. Okay. D'accord. Tu peux t'en aller maintenant. D'accord, merci. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen. Oh Gougou, oh Gougou, l'ancienne déité de nos ancêtres, tu Elisabeth. Mais fin à sa vie. Prends sa vie. J'ai pris un puissant charme chez le Tibia et je l'ai tué. Pasteur Élisée, pourquoi? Tu les as tout tués. T'es méchant, toi. Tu mérites la mort. Je ne connais pas. Tu es trop de l'étranger. Tu dois être lapidé. Je te maîtrise. Pasteur Élisée, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Je le disais. Je savais que cet homme était un faux pasteur. Vraiment? Je disais que cet homme n'était pas un vrai homme de Dieu. Pourquoi? Mais méchant. Pourquoi? Cruel. Mais je t'ai senti. Pourquoi? Je l'aime. S'il vous plaît. Oh mon Dieu. Tout le mal qu'ils font les hommes, ils le payent ici-bas. Je suis le pur esprit des hommes. Hein? Esprit de quoi? Iforma. Oui. Souviens-toi du jour où tu étais venu à la rivière en pleurant, après être battu au coin du quartier. Tu m'as demandé de l'aide et c'est pourquoi je t'ai venu te secourir. Esprit de l'eau. Ma défunte grand-mère me racontait comment tu étais gentil et très aimant. J'ai vraiment besoin de toi maintenant. J'ai besoin de toi en ce moment. Je veux que tu deviennes mon ami. J'ai besoin que tu viennes me réconforter dans cette situation. J'ai besoin de toi. Ah!
c'est moi qui lui ai fait confesser ce péché. Hey! Oui! J'essayais de sauver Elisabeth, Uju et Kema. Elles avaient toutes peur de l'exposer. Très bientôt, le vrai pasteur Élisée va venir. Je sais qu'il sert le Dieu créateur de toutes choses. Dès qu'il sera là, tu vas le supplier, lui demander pardon. Il va prier pour toi et tu seras pardonné. Mais je vais te tuer avant qu'il arrive. C'est mieux que vous fassiez. C'est mieux de faire vite, c'est mieux. Parce que si vous ne faites pas, on va le faire, nous les jeunes. On va le tuer. On va le tuer. On va le tuer parce que c'est qu'il mérite. Oui, oui, oui. Mais c'est quoi ça? Ton corps sera rejeté des cieux de la terre. Et ton esprit va errer sans pain et sans repos. Oui, bien fait. Oui. La paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous tous. Mon nom est Pasteur Élisée. Vraiment, merci Seigneur. Je devais normalement être dans ce village, il y a très longtemps de cela. Mais j'ai été kidnappé sur ma route vers ici. Terrible. C'est pitoyable, hein? De garder en vie ne sert à rien du tout. Nous devons t'éliminer. Qui est-il? Pasteur, ça c'est une très longue histoire. We are victorious. Yes, we are victorious. Glory be to God who has given us victory. Victory! We are victorious. Yes, we are victorious. Glory be to God. Holy, 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 holy
Holy, 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 Pastor Elijah is another Savior. Holy, holy. Holy, 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 Pastor Elijah is another Savior. Holy, holy. Here comes the Holy One. Pastor Elijah, the Holy Savior. Holy, 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 Pastor Elijah is another Savior. Holy, holy. Holy, 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 Pastor Elijah is another Savior. Holy, holy. Holy, 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 Pastor Elijah is another Savior. Holy, 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 Pastor Elijah is another Savior. Holy, holy. Holy, 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 Pastor Elijah is another Savior.